Salut tout le monde, c'est Fils le Brasseur. Aujourd'hui, ça fait présentement 2 ans qu'on est ouvert au Brasseur et je suis très heureux. Et tout ça, c'est grâce à vous. Fait que pour l'occasion, j'ai décidé de vous faire tirer une journée de brasse à 2 personnes. Vous avez le droit d'emmener chacun un ami. Fait qu'on va brasser à 4. Pour en savoir plus sur le concours, je suis les indications qui sont dans la description. Pour revenir sur les dernières années qu'il y a eu au Brasseur, j'ai le privilège et la grande joie que ça fonctionne vraiment bien ma boutique. Et ça, c'est grâce à tous les clients à travers le monde qui viennent. Oui, à travers le monde. J'ai du monde qui descend de partout, Costa Rica, de France. Et sûrement, j'en oublie d'autres. Fait que je vous remercie car c'est grâce à vous que tout ça peut se produire. J'ai aussi le grand privilège de pouvoir vous montrer à faire de la bière sur YouTube. Et ça, j'adore faire des petites vidéos, des petites capsules qui vous aident. Vous êtes déjà plus que 1000 à m'écouter et à me regarder sur ma chaîne. Et waouh, qu'est-ce que c'est le fun à savoir et à vous entendre dans les commentaires. Ça me permet tout le temps de m'améliorer et de vous aider à m'aider à vous aider. On suit. Dans la prochaine année, il y a des nouvelles capsules qui s'en viennent, les 2 minutes brasseurs, des petites astuces, des petits trucs pour vous aider, pour pas vous ayez à chercher dans les vidéos. Fait qu'on va juste donner des petites astuces, des petits trucs comme le test d'iode, vous montrer à que ce soit un petit peu plus facile. Le nombre de sucre qu'on met pour embouteiller, le nombre de levure qu'on va mettre pour embouteiller, c'est quoi un transfert sans contact avec l'oxygène, c'est quoi, comme vous savez, ça sera pas plus que 2 minutes pour commencer à me connaître. Pour qu'est-ce qui est de mes autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, je m'en sers plus pour montrer mes nouveaux produits, les nouveautés qu'on va avoir au Brasseur. On a plein d'activités qui s'en viennent à grands pas. Et si vous nous suivez, vous allez voir, vous allez avoir des posts vraiment différents à tous les jours, à toutes les semaines, pour vous expliquer un peu dans quoi le Brasseur s'enligne et c'est quoi les nouveaux produits qu'on rentre. Parce qu'on en rentre de plus en plus à chaque semaine et les nouveaux produits qui rentrent chez nous. On n'a pas tout le temps de le mettre sur notre site web. Fait que c'est important de vraiment bien nous suivre sur Facebook pour avoir les dernières nouveautés, les dernières vidéos. Et mes moves du vendredi qui sont tout le temps aussi disponibles à chaque vendredi au Brasseur. Cette année, on a commencé une nouvelle formule qui ça fait environ 2 semaines qu'on a commencé. Quand vous achetez un move du Brasseur, prenez des dégustations, prenez une en a et vous pouvez rajouter votre petite grain de sel pour la prochaine fois qu'on va la faire. Comme ça, la bière va vraiment vous ressembler. Je brasse pour vous et non pour moi. Ça veut dire qu'il faut que les bières ressemblent à mes clients. Et comment savoir quelle bière faire, comment la faire ressentir à nos clients? Ben oui, c'est de vous faire participer avec vos notes de dégustation et avec le goût que vous aimeriez apporter à la bière. Comme ça, on va leur faire un prochain vendredi. Ça va vraiment vous donner une bière que vous allez aimer et apprécier. Et vous allez avoir votre côté un petit peu plus personnel dans ces moves du vendredi-là, qui est vraiment important pour moi. Pour ce qui est de mon site web, il est encore en construction, mais on lui donne un petit relooking. On va mettre des nouveaux produits, on change un peu l'aspect du site pour qu'il soit plus facile à naviguer avec les commentaires. Ça fait 2 ans qu'on reçoit des commentaires, des très bons commentaires et des améliorations. Il y a certaines améliorations que je trouvais vraiment intéressantes, mais que je ne pouvais pas mettre en œuvre. Alors, on a décidé de refaire un site parallèle. Inquiétez-vous pas, là. Le site est tout le temps actif et très fonctionnel. Vous pouvez commander. Par contre, le prochain site s'en vient dans quelques mois. C'est un petit peu plus d'ouvrage que moi et mon ami Daniel pensait. Si là, ben, le site du Brasseur est tout le temps à la même adresse, tout le temps aussi disponible pour vous. Alors, inquiétez-vous pas pour vos commandes en ligne, pour les réservations de journée de brasse, de cours de brassage. Il n'y a aucun problème. On a commencé aussi cette année, l'année passée, plus cette année, des cours de brassage avec M. Pascal Desbiens. On est commandité par Maltebrou, par Maltraiteur, par Yakima Valley, par les Levures, Labo Solutions et par Cake Management pour donner ces cours-là. Je veux encore les remercier de toute la confiance qu'ils nous portent pour donner des cours. Et si vous n'avez pas vu les dernières vidéos des cours, allez voir ça, c'est super comique, c'est super drôle. On passe un gros 8 heures avec vous à tout vous expliquer et à répondre le plus possible à toutes les questions que vous avez. Fait que si vous voulez prendre un cours, c'est le cours que je vous conseille fortement. Encore une fois, je tiens à vous remercier pour tous les bons conseils et pour tous les belles achats que vous avez faits au Brasseur. Tous les bons commentaires que je reçois, même si des fois vous pensez d'être négatif, pour moi, c'est tout le temps positif. Il faut s'améliorer. Fait que je vous remercie pour tout. Je vous demande souvent en vidéo qu'est-ce que vous aimeriez avoir, quelle vidéo vous voulez avoir. Ça, c'est vraiment, vraiment plaisant pour moi de vous aider à plus m'écouter. C'est un immense plaisir que j'ai à vous informer ici. Alors, longue vie au Brasseur. Longue vie au brassage amateur.
qui permet de créer de nouvelles microbrasseries au Québec. On commence tout amateur à quelque part. Encore une fois, je vous souhaite la bonne chance pour le concours et ça va me faire grand plaisir de brasser avec vous. Puis qui sait, peut-être que c'est vous qui allez m'apprendre quelque chose cette journée-là. Alors, bonne chance encore. À la prochaine.